Salut tout le monde et bienvenue pour cet épisode spécial dédié au Festival international du film d'animation de Annecy 2019. C'est ma seconde participation et comme je l'ai dit à la fin de la vidéo de l'année dernière, cette édition met à l'honneur le pays qui est la raison même de l'existence de ma chaîne, à savoir le Japon. Alors, autant dire que je suis sur un petit nuage à la vue du programme qui m'attend. Et j'espère que ce petit nuage accueillera sans broncher mon futur manque de sommeil. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour sa passion quand même. Bref, installez-vous bien, prenez des pop-corns et on se retrouve après le générique pour la première journée. On commence cette semaine de festival avec du lourd car ma première séance est le nouveau film de Masaaki Yuasa, Ride Your Wave. Celui-ci est produit par son studio Science Salu et scénarisé par Reiko Yoshida qui fut également scénariste sur des projets tels que le très beau A Silent Voice ou le très calme Liz and the Bluebird, film spin-off de la série Hibike Euphonium. Nous avions été teasés sur ce film l'année dernière lors d'une conférence sur le parcours du réalisateur, alors je suis heureux d'enfin le découvrir aujourd'hui. Du côté de l'histoire, on suit Hinako, une fille passionnée de surf qui déménage dans une ville balnéaire. Lors d'un incendie, elle est sauvée par un pompier nommé Minato et suite à cet incident, va naître une incroyable fusion entre deux êtres aux éléments contraires. Malheureusement, Minato meurt lors d'une session de surf solo et lorsque tout le monde tente de surmonter sa peine, Hinako s'accroche à l'esprit de son ami qui rejaillit dans sa vie sous forme d'eau. Le film sera distribué par Wild Bunch mais n'a pas encore de date de sortie annoncée. いつも応援してくださる方々の存在を実際に感じれる映画祭で、僕も大好きな映画祭の一つです。去年のマスタークラスでは少しお話できましたが、ようやくこの作品を皆さんにお届けできることになりました。いつまで助けてもらえるのかな。 10年、 20年、ひなこがおばあさんになっても、ずっとずっと。 Première séance et premier coup de cœur pour Ride Your Wave de Masaaki Yuasa. Ce qui m'a d'abord frappé est l'accessibilité de ce film qui se place dans la droite ligne de Loup et l'île aux sirènes. Les thématiques sont bien amenées dans une construction assez classique, avec une première partie très gentille et faite pour s'attacher au personnage, et un second acte plus fantastique qui développe également le titre du film. Le thème principal est bien sûr le deuil, comme le sous-entend le synopsis, et les différents personnages ont une manière bien à eux de faire celui-ci. Du côté de l'animation, il y a de très beaux moments, surtout pour ce qui est de l'eau, qui est juste grandiose dans la scène finale. Le réalisateur continue d'utiliser de la 3D, par moments ça marche très bien et malheureusement pas du tout à d'autres. Bref, c'est un très bon film dans la droite ligne de ce que sait faire Yuasa, mais avec une ouverture plus grande vers un public pas forcément réceptif au reste de sa filmographie. Pour continuer cette journée, je vais me rendre à une leçon de cinéma de Yoichi Kotabe. Ce nom ne dit pas grand chose au grand public et pourtant c'est un animateur majeur des années 70 qui participa par exemple au premier film de Isao Takahata, Horus, Prince du Soleil, et resta proche du réalisateur et du studio Ghibli par la suite. Il fut également la plume de nombreuses illustrations pour Nintendo à partir de 1985 sur des licences telles que Zelda, Mario ou Pokémon et sera même superviseur de l'animation sur certaines séries et films de cette dernière. Bref, il fait partie de ces hommes de l'ombre de l'animation et de l'illustration dont on connaît les images mais pas forcément le nom. Bonjour à tous. あの、いろんな人が、あの、いろんなアニメーターが、アヌシに行って、もうアヌシはとっても素晴らしいから、ぜひ行けって言われたんですよね。楽しい街なんだろうと思って期待に来
たい感がいっぱいです。僕はあの幼い頃って言いましても、多分小学校1年生か2年生だったと思うんですけれども、僕はあの日本人ですけれども、あの台湾で生まれています。そこで、日本人が作った、モノクロームの、アニメーションを見たことがあるんですよね。それは実は日本が戦争に勝つために頑張れっていう映画だったんですけれども、僕はその、作る意図を全然受け取らずに、その映画に出てきたあるキャラクター、それにとてもびっくりしたことがあるんですよね。擬人化された、真っ白なウサギのキャラクターだったんですけれどね、その画面で動いてるウサギがとてもですね、もう生きてるとしか思えない。それと何て言うんでしょうね、可愛らしくて本当に血が通ったような本当に生きた命を持っているものとしか思えなかったんですよね。それが自分の中の幼い心にずっとありました。それで僕は成長して青年になって、仕事に就くっていう時にこの世界、いわゆるアニメーションの世界に入ろう。On continue avec l'avant-première française du film Omnibus du studio Ponoc, Modest Heroes. Il est composé des trois premières créations du Ponoc Short Film Theater que sont Canini et Canino, réalisés par Hiromasa Yonebayashi, qui nous conte les aventures sous-marines de deux frères crabes partis sur les traces de leur père, emportés par le courant suite à un fâcheux accident. Vient ensuite Life Ain't Gonna Lose, réalisé par Yoshiyuki Momose, qui met en scène Shun, un jeune garçon de 8 ans très gravement allergique aux œufs. Et même si sa mère fait tout pour lui offrir une vie ordinaire, le danger s'accentue lorsqu'il est seul. Et enfin Invisible, réalisé par Akihiko Yamashita, qui nous raconte la lutte d'un homme contre l'invisibilité et, tandis que la vie commence à lui filer entre les doigts, seule une décision courageuse pourra le sauver. Bonjour, ainsi, je m'appelle Yoshiaki Nishimura, fondateur et producteur du Studio Ponoc. Merci beaucoup. This is my first visit to Annecy Film Festival. I'm so thrilled and excited to bring our first anthology of short films, Modest Heroes. It has a playful opening and ending, but most importantly, it is a very different three short films. They all are created by Japanese filmmakers. Each film has a different style of expression, theme, and challenges. Bon projection. この夏、メアリと魔女の花のスタジオポノックが送る新プロジェクトが始動。それは三つの奇跡の物語。Je dois avouer que sur les trois, seul Invisible m'a vraiment parlé en termes d'histoire et d'animation. Yamashita a fait le tour de force de passer énormément d'émotions au travers d'un personnage sans visage. Le style de dessin est assez brut et rappelle une patte très occidentale à la manière des triplettes de Belleville par exemple. Pour ce qui est des deux autres, ils sont très beaux mais les histoires ne me font pas plus penser que c'était sympa. Même si dans Life Ain't Gonna Lose, une scène rappelle fortement le passage iconique de Princesse Kaguya avec une animation très floue et étirée donnant une grande impression de vitesse et de stress vécu par le personnage. Il faut aussi savoir qu'à la base, le film devait contenir 4 courts-métrages, malheureusement Isao Takahata, qui devait être le quatrième réalisateur, nous a quittés en avril dernier. Après séance, a eu lieu une petite session de questions-réponses avec les réalisateurs, ainsi qu'une grande annonce du studio, à savoir la production d'un court-métrage sur le sport commandé par le Comité Olympique pour les Jeux de Tokyo 2020. 具体的な現象というか出来事を描くのではなくて、それを形を変えて象徴的に描けるかどうかっていうのが僕にとっての課題というかチャレンジでしたね。
かといってね、これから語ろうとしていることが短編ならではかどうかちょっとわからないんですけど、ちょっと話しますね。実に寡黙な人で喋ってくれないんですよ。でね、嬉しいとか悲しいとか言ってくれたら心情気持ちわかるでしょ。喋ってくれないし、顔がないじゃないですか。表情もわからないでしょ。どうやってこの人の心情を表現するか、そこね、なんですよ。でそれがうまくいけばストーリーになるなと思ったんですよ。普通に、まあ、映画を作るっていうのは、まあ、長編でも短編でも同じだと思うんですけど、ストーリーがあって脚本があって多分映像を作る順番だと思うんですけど、僕はその表現がまずできるかどうかをやってみて、それがつながってうまくいけばストーリーになるって、さっき言ったのも同じですけども、そういう逆の順番で考えてみたっていうのはちょっと長編じゃまずできませんよね。On continue sur une séance d'Annecy Classique avec un film assez spécial car il a l'honneur d'être le premier long métrage d'animation en couleur produit au Japon. Et c'est aussi le premier film produit par la Toei Animation en 1958. Bon, trêve de cachotterie, il s'agit du film Le Serpent Blanc réalisé par Taiji Yabushita et Kazuhiko Okabe. L'histoire se déroule dans la Chine ancienne où un enfant achète au marché un petit serpent blanc. Malheureusement, ses parents n'en veulent pas et doit donc se résigner à le relâcher. Quelques années plus tard, l'enfant est devenu un beau jeune homme, tandis que le reptile refait son apparition sous la forme d'une très belle princesse à la recherche de son ancien protecteur. Cette première production fut un succès et la Toei continua sur sa lancée en copiant un peu le modèle de Disney, à savoir sortir au moins un film pour enfants par an sur des thèmes adaptés de contes et légendes japonaises et occidentales. Et si je ne dis pas de bêtises, nous avons droit à une version remasterisée de cette œuvre aujourd'hui intemporelle. On termine cette journée par un dernier film que je qualifierais d'OVNI, Aragne Sign of Vermilion de Saku Sakamoto. Pourquoi OVNI ? Car on peut dire que c'est un one-man movie. C'est un premier long métrage et une création originale de Sakamoto qui est aussi à la tête du script, de la direction de l'animation et de la musique. L'année dernière, celui-ci avait été présenté lors du Studio Focus on Tokyo. De plus, le film navigue dans des eaux peu vues en animation, à savoir le cinéma d'horreur. Plongé dans une ambiance sombre et angoissante, nous suivrons le quotidien de Lynn, une jeune fille installée dans un immeuble régulièrement théâtre de crimes sordides, dissimulant des secrets mystérieux et des habitants inquiétants. Bref, on va voir ce que ça donne, car je suis extrêmement intrigué. と思うんですよ。私飲んでいる薬の効き目もあって一瞬だけ夢とか見たりするし。 Alors, que dire de ce film? C'était intéressant. On va pas se mentir, Saku Sakamoto sait faire de très beaux décors 3D. Pour le reste, le film abuse de shaky cam et l'ensemble donne un rendu pas fini. Parfois l'animation est super fluide, d'autres fois on a juste l'impression que le rendu n'est pas définitif. Et du côté de l'histoire, beaucoup d'expositions de faits avec peu de dénouement, et les 20 dernières minutes sont une véritable torture, un peu comme si un mec vous tapait sur l'épaule toutes les 2 minutes en vous disant « Et au fait, je t'ai pas dit, mais… » C'est simple, la salle entière avait continuellement des petits rires nerveux et sur la fin on entendait continuellement des « Ah non… » Je pense que ce film a manqué de garde-fous. Il y a une tonne d'idées qui ont été mises sans qu'on puisse vraiment y trouver une logique et un but au final. Bref, peut-être que c'est clair dans la tête du réalisateur, mais pour ce qui est du public, pas vraiment.
parti pour cette seconde journée de festival et je commence sur les chapeaux de roue avec une leçon de Sakuga donnée par l'animateur et patron du studio Durian, Oshiyama Kiyotaka. Après avoir débuté sa carrière au sein du studio Xebec, il est passé en indépendant et a travaillé sur des films et séries tels que Space Dandy ainsi que des productions Ghibli tels que Le Vent se lève ou Arrietty et plus récemment Fooly Cooly Alternative et Progressive ou Devilman Crybaby. Via son studio, il met à profit ses connaissances et offre un service d'édition et de conseil en dessin pour améliorer ses plans. Bien sûr, ce service est payant, mais il réalise régulièrement des sessions de conseils gratuits via son compte Twitter ou le site de son studio afin que des jeunes artistes puissent aussi avoir un avis constructif sur leur production. Et donc, cette petite leçon me permettra de mieux appréhender les difficultés liées à la création de Sakuga. Ah, et pour ceux qui m'entendent parler de Sakuga depuis avant sans savoir ce que c'est, cela désigne, en gros, les séquences d'animation de grande qualité que l'on trouve dans les films et séries d'animation japonaises. Pour imaginer la chose, si vous vous cramponnez à votre canapé pendant une scène d'animé, il y a de grandes chances que ce soit un Sakuga.地面なのかを区別して描けてるかどうかですね。ちょっとこれの添削後の絵を見せします。地面を先ほどの地面のブロックが正方形に見えるようにパースを圧縮しました。見比べて、分かりやすい。地面のパースの具合の違いは分かりますか? Je continue sur mon premier film de la journée, Ternet Ninja de Anders Matthesen et Thorbjørn Christoffersen. Et là je dois avouer que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Cela parle d'un jeune garçon recevant en cadeau une poupée ninja de la part de son oncle de retour d'un voyage en Thaïlande. Rapidement, il découvre que le jouet est vivant et qu'il parle et ce petit ninja à carreaux lui vient en aide pour résoudre ses ennuis à l'école. Bref, je pense que c'est une comédie plutôt familiale, je vais voir ça et je vous en parle tout de suite. Wow. What is it? This is a checkered ninja, obviously. Piss off! Chicken shit loser. Now piss off, you son of a butt ugly oxygen thief! What? But what the hell are you? Not all that again. If you call me Harlequin, I'll stab you. It belongs to Philip Eppermint. He's the man I'm looking for. I help you and you help me. Comme dit dans mon intro, je ne savais pas à quoi m'attendre et franchement, ce fut une très bonne surprise. Grossièrement, on peut dire que c'est un TED pour ados avec un langage très libre et des thématiques qui parleront aux jeunes à partir de 15 ans. Bon, le scénario n'a rien de novateur, mais l'histoire est plaisante, intelligente et souvent drôle. Le film met en place une légende basée sur un esprit samouraï vengeur qui aide les enfants. Et celui-ci cherche à venger un garçon tué dans une usine de poupées en Thaïlande par un homme d'affaires occidental. Une autre bonne surprise vient également de la musique originale dans un registre hip-hop actuel avec des textes très drôles et absurdes liés à la situation se déroulant au même moment dans le film. Bref, je ne connais pas le marché de l'animation danoise et à la vue de la page Wikipédia du film, ça ne sort pas beaucoup du pays. Néanmoins, le film sera édité directement en DVD et Blu-ray en France le 25 septembre 2019. Alors donnez-lui sa chance, vous passerez un bon moment. Mon prochain événement est une conférence donnée par Netflix pour présenter les coulisses de leurs projets animés japonais originaux présents et futurs. Du côté animation future, on peut déjà être sûr qu'ils parleront de la série Ghost in the Shell SAC 2045, confirmée par la présence des deux réalisateurs aux manettes de celle-ci, Shinji Arakami et Kenji Kamiyama. Le premier a réalisé 3 films Appleseed et le second a réalisé et scénarisé les deux principales séries d'animation de l'univers Ghost in the Shell, à savoir Standalone Complex et Standalone Complex Second Gig. On peut aussi noter la présence du PDG de MAPPA qui nous présentera sûrement la nouvelle production du studio pour Netflix, à savoir la série Yasuke.
Ce sera une production américano-japonaise avec Thomas Le Chen à la réalisation. L'histoire se base sur un personnage historique du nom de Yasuke qui était un ancien esclave africain qui a vécu au XVIe siècle et est devenu samouraï au Japon. Originaire du territoire des Bakongo, Yasuke a servi sous le règne d'Oda Nobunaga. Bref, je vous dis en sortant si j'ai vu juste ou s'ils ont parlé d'autre chose. Comme toujours avec les grosses compagnies américaines, il était interdit de filmer, enregistrer quoi que ce soit et même utiliser son téléphone pour prendre des notes était proscrit de peur qu'on prenne une photo. Donc, comme dit dans l'intro, ils ont bien présenté les futurs Yasuke et Ghost in the Shell, mais n'ont pas dit grand chose à part que le chara-design de Ghost in the Shell sera fait par Ilya Kouchminov et celui de Yasuke par Satoshi Koike. Ils ont également fait une présentation du process de motion capture pour la série Ultraman et ont confirmé qu'une seconde saison est en production. Ensuite, nous avons eu droit aux premières images de la série Eden qui sera en CGI. Le chara-design des robots sont faits par le français Christophe Ferreira et sont plutôt sympas, par contre l'animation a l'air vraiment bof. J'assisterai au work in progress de la série demain, alors je vous en parlerai plus en détail à ce moment. Et enfin, ils nous ont présenté quelques images de la série Cannon Buster, également réalisée par Le Chen. C'est une série de mecha s'inspirant des JRPG des années 90 comme Secret of Mana ou Final Fantasy. Bref, ils ont fait quelques annonces, mais rien de fifou à mon goût. Pour ce film de soirée à bon lieu, on va quitter l'Éternel Nippon pour une séance événement made in France avec le futur film de Jean-François Laghioni, Le Voyage du Prince, prévu dans les salles début décembre 2019. Le film suit un vieux prince qui échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs contraints à l'exil. Le prince, guidé par Tom, découvre avec enthousiasme et fascination une société pourtant figée et sclérosée. De la bonne grosse marade en somme. Combien d'années vous a-t-il fallu pour bâtir cette ville ? On apprend à l'école que cela s'est fait en 6 jours. En 6 jours, extraordinaire. Les singes de ton pays doivent être fiers d'avoir bâti une cité plus belle que partout ailleurs. Quelle merveille! Ailleurs? Je crois que pour les Nuko, il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a que cette merveille, comme tu dis. Il n'y en a pas d'autre. Le film était une véritable avant-première car celui-ci a été finalisé il y a une semaine. Nous étions donc presque les premiers à le voir. Et pour tout vous dire, c'est très beau, avec une animation 3D à l'aspect 2D et de superbes décors peints dans un ensemble qui se marie vraiment très bien. Il se veut être une suite du Château des Singes, mais malheureusement je ne l'ai pas vu, alors honte à moi. Le propos est très actuel en étant critique sur la peur de l'étranger, l'élitisme mal placé ou l'oisiveté et pousse le spectateur à réfléchir sur sa condition et surtout de ne pas se reposer sur ses acquis et toujours chercher à s'améliorer et découvrir de nouvelles choses. En somme, gardez un esprit vif et ouvert sur le monde. Bref, je ne peux que vous conseiller de voir ce film lorsqu'il sortira en salle. Finir cette seconde journée un peu de détente avec une séance Midnight Special Spike and Mike's Sick and Twisted Festival of Animation. Est-il encore nécessaire de présenter l'iconique duo que formaient Spike and Mike's et leur fameux festival d'animation? Véritable concentré de création indépendante, novatrice et expérimentale, c'est grâce à cette grande messe de l'animation underground débutée à la fin des années 70 jusqu'au début des années 2000 que certaines œuvres aujourd'hui reconnues dans le milieu et au-delà furent révélés au grand public comme Wallace et Gromit ou Happy Tree Friends. C'est un festival qui a toujours eu un temps d'avance pour flairer les créations les plus originales et la sélection de courts-métrages qui en est issue pour Annecy 2019 ne devrait vraiment pas me décevoir. Spike and Mike created an animation festival that helped launch the careers of John Lasseter, Peter Lord or Ben Plimpton, just to name a few. Their festival had an enormous impact on animation that was felt all over the world. The festival was known as much for the breakthrough animation it presented as for Spike and Mike's personality, obviously. Mike wishes he could be here, but he sent us in his stead. First of all, I'd like to see which screening is the coolest screening here at Annecy.
cette sélection de cours décalés était vraiment bien bien cool. J'aurais du mal à vous faire un retour poussé vu que le plus souvent ce sont juste des vannes mises en image, mais je vais vous donner une petite sélection de mes favoris. D'abord, Rough Sex de PES ou un couple de fauteuils s'envoient en l'air sur le toit d'un immeuble. Vient ensuite The 2 Minute Itch de Eric Favela où un chien est très 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 attiré par un coussin. Puis Negative Space de Max Porter qui est une très jolie ode au rangement de valises. Comme ça, ça paraît pas ouf, mais il se finit par une bonne pointe d'humour noir qui vaut son pesant d'or. Et enfin, Quiet Lock Time que je vous somme de voir. Bon, c'est juste une vanne, donc je ne vous en dirai pas plus. On est parti pour une troisième journée de festival avec une première séance destinée au marché MIFA qui va nous présenter la série Pandora Toakubi, un crossover de licences que je ne connais absolument pas, Akushon Daimao et Monster Strike. Le personnage de Akubi provient de Akushon Daimao, une série animée des années 70 et deux séries spin-off de 2001 et 2006. Et elle se base sur un concept bien débile, Akubi et son père sont des génies dans une lampe qui se retrouve dans une famille du Japon moderne. Le père sort et re-rentre dans la lampe à chaque fois qu'une personne éternue et sa fille fait de même lorsqu'une personne bâille. Pour ce qui est de Monster Strike, je connais de nom mais sans plus. C'est à la base un jeu vidéo sorti en 2013 qui a eu droit à deux séries animées, un film et de nombreux original net animation. Et j'ai l'impression que Pandora est un personnage uniquement trouvable dans le jeu de base car je n'ai vu aucune info d'elle dans le wiki des séries animées. Mais pardon si je dis des bêtises. Finalement, c'est un OAV en deux épisodes, plutôt dédié à un jeune public. Mais, le truc est juste bourré de références manga des années 70 qui parleront surtout aux otaku de plus de 60 ans au Japon. Mais très peu au public français, à part quelques fous de culture pop japonaise comme moi. C'est simple, il y a des références à Speed Racer, Gatchaman, Yatterman et Guzula pour ce que j'ai pu reconnaître. Sinon, bah c'est bien débile, un peu niais et mauvais as fuck. Bref, je ne sais pas si ce sera visible quelque part, mais comme avec Isekai Quartet, je me dis que Kadokawa est vraiment dans un mood à autoriser des crossovers de leur licence. On continue sur un second film en compétition après Light Wave que j'ai vu lundi avec The Relative Worlds, écrit et réalisé par Yohei Sakuragi. Du côté histoire, on suit Shin, un lycéen ordinaire qui vit à Tokyo, mais un jour il rencontre un garçon nommé Jin, parfaitement semblable à lui, qui prétend venir d'un autre monde. Selon Jin, un monde parallèle existe où règne une princesse malfaisante nommée Kotoko. Et Jin s'est rendu à Tokyo pour tuer le double de Kotoko qui se trouve être la meilleure amie de Shin, Kotori. Du côté technique, ce film a servi de terrain de jeu pour une expérimentation de gestion de foule par intelligence artificielle. Pour ce que j'en ai vu dans la bande-annonce, ça ne m'a pas vraiment sauté à la figure. Mais il est vrai que dans les animés 3D, les foules sont souvent très statiques et copiées-collées. Bref, on va voir ce que ça donne. Le film est un sacré roller coaster scénaristique qui passe par de la SF, de l'histoire d'amour un peu niaise et du combat de robots. On ne pourra pas lui reprocher de ne rien expliquer, au contraire, il prend vraiment, vraiment le spectateur par la main. Personnellement, j'ai plutôt apprécié dans son ensemble. Il y a des moments drôles, des moments touchants, voire carrément niais, mais aussi d'autres relativement incompréhensibles, tant en décalage de la situation globale. Bref, côté scénario, les thèmes sont à mon goût très intéressants, mais souvent exploités maladroitement. Du côté technique, j'ai toujours autant de mal avec la CGI et les personnages ont une peau et des habits semblables à du plastique et une démarche souvent molle et peu vivante. Par contre, le film nous offre parfois de très beaux plans avec des décors assez grandioses et surtout des combats qui sont à mon goût très bien réalisés avec une excellente utilisation de ce qu'offre la 3D. Et pour ce qui est des foules animées par intelligence artificielle,
Ouais, les gens ont des comportements qui varient, mais ça diffère pas des masses du rendu un peu mollasson et faux de l'ensemble des personnages du film. Bref, pas l'œuvre de la décennie, mais ça reste un bon divertissement. Cette troisième séance sera le premier film en compétition contre-champ de ma semaine avec Les Enfants de la Mer, réalisé par Ayumu Watanabe et produit par le studio 4 degrés C. Il est notamment connu pour avoir réalisé Space Brothers et plus récemment la série Après la pluie. Le chara-design et la direction d'animation est faite par Kenichi Konishi, qui est également derrière le chara-design du film Paprika et Tokyo Godfathers. La musique originale est de Joe Saishi, qu'on ne présente plus tant il a œuvré dans une quantité impressionnante de productions Ghibli. Bref, cet animé a tout pour me plaire. Du côté histoire, on suit Luca, une jeune lycéenne qui vit avec sa mère et consacre tout son temps à sa passion, le handball. Hélas, elle se fait injustement exclure de son équipe le premier jour des vacances. Furieuse, elle décide de rendre visite à son père à l'aquarium où elle travaille. Elle y rencontre Umi qui semble avoir le don de communiquer avec les animaux marins. Luca est fasciné par cela lorsqu'un soir, des événements surnaturels se produisent. Le film est distribué par Eurozoom et sort au cinéma le 10 juillet. Alors, pour tout vous dire, ce film est techniquement superbe. L'animation est vraiment de grande qualité. Une grande place est réservée au gros plan avec un dessin plus brut transcrivant parfaitement les émotions des personnages. Un soin particulier est apporté aux images en CGI dont les contours sont régulièrement redessinés au crayon et cela marche extrêmement bien dans la majorité des scènes. Le rythme du film est calme et très poétique. Son évolution nous fait passer d'un monde terre à terre à un véritable rêve onirique. Et bien qu'ayant quelques longueurs dans son ensemble, la beauté de son animation est un véritable voyage soutenu par une bande-son qui sait se faire discrète lorsqu'il le faut et puissante dans les moments les plus forts. Enfin, même si la scène finale est très très métaphorique, c'est un véritable ballet de sentiments mis en image qui vous prend au plus profond de vos tripes. Bref, j'ai carrément adoré, c'est super super beau et je vous le conseille vraiment. Dernière séance de cette journée avec le film que j'attends le plus dans ce festival et j'espère vraiment, vraiment ne pas être déçu. Car il s'agit tout simplement du nouveau long métrage de Hiroyuki Himaishi, Promère. Si vous ne connaissez pas encore ce réalisateur, c'est simplement le dieu de l'animation limitée qui est derrière les chefs-d'œuvre d'animation sous stéroïdes que sont Gurren Lagann et Kill la Kill entre autres. Côté synopsis, peu d'informations, juste que l'on suit les aventures de Gallo, la nouvelle recrue d'une équipe de sapeurs-pompiers qui utilise des mechas surnommés Matoytech lors de leur mission. Mais bon, ce n'est pas tellement les scénarii qui font le plus grand plaisir des films et séries de ce réalisateur, même s'ils apportent leur lot d'absurdité. En tout cas, les trailers m'ont donné une bonne hype, alors je vous en reparle à la sortie, voire peut-être demain matin si je ne suis pas trop mort. プロメアを皆さんに見ていただけるのを大変嬉しく思っております。もちろん、グレンラガンキルラキルをすごい楽しんでいただいた方には間違いなく素晴らしいものを満足させられる自信があるので、ぜひ楽しみにしてください。燃えていいのは魂だけだ。燃えて消すのが俺の流儀だ。好きで燃やしているわけじゃない。炎は僕らの一部だ。 Cette avant-première mondiale hors Japon était de la pure folie avec un public aussi chaud que le film. Comme l'a dit le producteur présent, si vous avez aimé Kill la Kill et Gurren Lagann, vous aimerez forcément ce film. On est dans du pur Himaishi, bien fanservice, ultra autoréférencé, avec un rythme qui vous laisse rarement reprendre votre souffle, et ce pendant 2 heures. Vous trouviez Dragon Ball Broly fanservice avec des combats dantesques, eh bien ce n'est rien comparé à ce qu'offre Promère. On sait parfaitement que le réalisateur est habitué à la surenchère et pourtant les idées fusent à un point que l'on arrive encore à être surpris.
Et si quelques éléments scénaristiques sont ultra clichés, Imaishi nous envoie des signes pour nous dire ouais, je sais que c'est cliché, mais rien à cirer, on va plutôt s'en amuser. De plus, j'ai trouvé la CGI très bonne et le parti pris au niveau couleur et design est tellement bien pensé que les passages 2D-3D ne choquent que très rarement. Mais malheureusement, c'est un film qui va avoir un mal fou à se faire programmer au cinéma et Eurozoom, le distributeur, va devoir se surpasser. Mais franchement, c'est du grand spectacle à vous faire fondre le cerveau. Quatrième journée de festival et comme hier, je débute par une petite séance marché MIFA avec le film Black Fox réalisé par Kazuya Nomura qui fut également aux manettes de Joker Game. Il est produit par le jeune studio 3Hz à qui l'on doit également l'excellente série Princesse Principale ou le Magical Girl Flip Flappers. Du côté histoire, dans un univers futuriste, nous suivons Rikka, descendante d'un clan de ninjas. Elle admire beaucoup son père, un chercheur, et tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que leur résidence se retrouve soudainement attaquée par un assaillant d'origine inconnue. Rikka n'a alors pas d'autre choix que de se défendre et de contre-attaquer. Au début, j'ai cru voir que c'était une série, puis je me suis retrouvé devant un film et au final, Black Fox est bien une série dont les premiers épisodes ont été assemblés pour former un long métrage introductif. Si l'on doit résumer grossièrement, c'est une sorte de Batman au féminin façon ninja. Car oui, ici ce sont les femmes, ou plutôt les filles, qui sont à l'honneur, un peu comme la série Princess Principal. Le film est véritablement monté comme une sorte de backstory du personnage de Black Fox et le cliffhanger de fin donne vraiment ce sentiment. Ça pose les bases quoi. Côté animation, c'est plutôt cool avec cette petite lueur typée animée du début des années 2000. C'est pas vraiment exceptionnel mais ça fait très bien le taf. Par contre, les ajouts 3D pour les mechas sont franchement horribles mais en prenant en compte qu'à la base c'est une série, on va dire que c'est plus compréhensible d'un point de vue financier. Et côté scénario, on a vraiment une petite sensation de déjà-vu, c'est un Vigilante quoi. Des gadgets cool, de jolis combats, des sbires, oh oh oh, je suis fou et je veux être célèbre. Et enfin un grand méchant, oh oh oh, et j'ai la main mise sur la ville et je suis très méchant. Bref, la thématique n'est pas révolutionnaire d'un point de vue international, mais reste encore peu vue dans l'animation japonaise et à mon avis surfe un peu sur le succès de My Hero Academia. J'ai donc bien apprécié et le studio 3Hz est vraiment à suivre de très près. Premier work in progress de ce festival pour une très grosse série de 4 épisodes prévus pour Netflix en 2020, Eden. Ce qui en fait une grosse série, c'est que l'équipe aux manettes est assez folle. Elle est réalisée par Yasuhiro Irie, connu pour Full Metal Alchemist Brotherhood et produit par Justin Leach qui était également à la production du très bizarre court-métrage de Masaaki Yuasa Kick Hurt. Le chara-design des robots est de Christophe Ferreira, le scénario de Kimiko Ueno, les décors de Clover Chier et enfin Kevin Peking est à la musique. La série se déroule plusieurs milliers d'années dans le futur au sein de la cité nommée Eden 3 d'où les humains ont disparu depuis belle lurette. Elle est depuis gérée par les robots laissés derrière et l'humanité n'est plus qu'un mythe. Mais un jour, deux robots fermiers réveillent accidentellement une petite fille de sa stase et décident de l'élever en secret à la campagne. Alors voyons donc l'avancement de ce projet. Franchement, je ne suis pas spécialement hypé par cette série, mais cette conférence Work in Progress était néanmoins très intéressante pour découvrir le processus de fabrication. Les décors ont l'air cool, le travail de concept design de Christophe Ferreira est très bien pensé et très original, les thématiques le sont également, mais c'est vraiment la forme qui me rebute. Ensuite, c'est une mini-série en 4 épisodes de 22 minutes, donc ça se regardera assez vite et je lui donnerai quand même sa chance, au moins pour ses thématiques. Il y a une volonté de faire de la 3D dans un esprit 2D, mais j'ai le sentiment que ce type de démarche fonctionne bien uniquement sur des séries très calmes comme High Score Girl, également disponible sur Netflix.
Ici, on a donc un casting technique, scénaristique et musical de haut vol dans une production qui mixe, à mon goût, très mal les décors peints en 2D avec des personnages et robots au rendu vraiment trop lisse. Je continue par une petite masterclass de la chaîne Cartoon Network sur le thème des ingrédients de la comédie. Lors de celle-ci, les talents à la tête des émissions Cartoon Network du monde entier disséqueront ce qui fait une grande comédie d'animation avec des conseils, des astuces, des démonstrations en direct et des contenus exclusifs. Bref, avec des séries comme Gumball, Steven Universe ou Adventure Time, il y a de grandes chances que ce soit extrêmement intéressant. You always say to me, you know, that Gumball, the reason why it's so hard is because you have so many jokes. The amount of jokes per minute is kind of really, really high. Is that so? We try to up the joke count in the show. It's one of those things that basically we wanted the show to work for kids and adults and people that don't like the joke that just happened. So you get that thing of like, so you know, each joke that you do, if that one doesn't work, don't worry about it, there's another one in a minute. I think animation's a really weird way to tell a joke because it's like telling a joke really slowly over about a year and then hoping it gets a laugh. Because you basically have to take your joke and then dissect it and pass it around between lots of people and then just hope that it comes back and it's funny. It's kind of this really odd way of doing a joke because comedy is quite spontaneous usually. And animation is the least spontaneous art form in the history of art. But what you try and do, I guess, certainly what we try and do, is we try and keep a spontaneity in the process. So at any stage, you want to be able to throw something in without that sort of pressure of like, oh no, that doesn't work because we've done all this work here. You know, it's that sort of thing of hopefully forgetting the pressure that maybe somebody spent a month animating a shot and it's still not funny. And then so you just go, well, cut it, change it, let's change the dialogue, let's actually make this work. Hopefully it never gets that late in the process. But you've got so many stages at which you can inject a sort of spontaneity and a kind of life to your comedy. Je vais maintenant aller voir mon troisième film en compétition avec Wonderland, Le Royaume sans pluie de Keiichi Hara. Le réalisateur a déjà été primé deux fois à Annecy avec la mention spéciale et le prix du public en 2011 pour son excellent film Colorful, ainsi que le prix du jury pour un long métrage en 2015 avec le très beau et poétique Misokusai. Bref, avec ce palmarès, on ne peut qu'avoir beaucoup d'attentes. Côté histoire, on suit une jeune fille rêveuse du nom de Akane. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l'étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre magique et s'ouvre soudain un passage d'où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d'un autre monde. Il veut convaincre Akane qu'elle est la déesse du vent vert dont parle une légende et qu'elle seule peut éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume. Accompagnée par l'alchimiste et son disciple Pippo, Akane et sa tante s'engagent donc dans un voyage fantastique pour sauver Wonderland. Le film est distribué par Art House et sort en France le 24 juillet 2019. 美しい色を保つことができるのだ. J'en attendais pas mal de ce film, mais il m'est totalement passé à côté. Pour faire simple, il a une belle esthétique, un chara-design cool, quelques blagues et scènes sympas prises à part, mais malheureusement un scénario ultra pauvre et des enjeux dont on nous parle mais qu'on ne voit absolument pas. Le film est construit comme un road trip dans plusieurs endroits jusqu'à arriver au final. Et le problème, c'est que le tout est très mal amené. On ne suit pas une véritable évolution, mais plutôt un groupe de personnes à un endroit A, puis B, puis C, puis D. Et voilà, c'est la fin, le monde est sauvé, merci, bonsoir. Au final, les arrêts du road trip pris à part sont plutôt cool, le film n'est pas vraiment mauvais en soi. Mais je n'ai pas du tout accroché ni aux personnages, ni aux enjeux. Le truc qui m'a tué, c'est que dès le début, les personnages parlent de la détresse que cause la sécheresse alors qu'ils ont encore une nature luxuriante. Mais on a bien compris que ça fait de jolis plans pour le film par contre. Bref, pour moi, il est dans la moyenne, un peu comme mes notes de philo au lycée, de bonnes idées mais pas assez bien développées. Cinquième journée de ce festival et je débute avec le work in progress du futur film de Makoto Shinkai, Weathering With You. Après le succès de son précédent film Your Name, ce nouveau projet est plutôt attendu et pouvoir participer à cette conférence est une réelle chance de voir ce que nous réserve ce nouveau long métrage.
Côté histoire, nous suivrons Hodaka Morishima, un lycéen qui décide de quitter la petite île où il vit pour se rendre à Tokyo. Rapidement à court d'argent, il commence un petit boulot d'écrivain dans un magazine louche spécialisé dans l'occulte. Par la suite, il rencontre une jeune fille du nom de Hina Amano qui vit seule avec son petit frère et possède le pouvoir d'arrêter la pluie et dégager le ciel. Alors, allons voir ce que ça donne. 100% no hare onna. Iko. Ame. 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 Ne. Ima kara hareru yo. Ce work in progress était intéressant et on nous promettait du contenu ultra confidentiel au début pour finalement avoir des infos relativement bateau et un évitement de quoi que ce soit qui pourrait dévoiler quelque chose du film. Le succès de Your Name, qui fut une surprise après une production plutôt tranquille, a rendu la tâche plus difficile pour ce film qui est forcément beaucoup plus attendu. Et ce qui en ressort, c'est que ces attentes vont être comblées car le film semble vraiment dans la même ligne. À savoir, une histoire d'amour dans des conditions compliquées et un film de la vie de tous les jours dans un contexte fantastique. Mais on n'a pas pu en tirer beaucoup plus. Par contre, nous avons eu droit aux 4 premières minutes du film encore incomplet. Et franchement, ça s'annonce très bien avec des décors assez grandioses. Même avec le succès du précédent, ils ont décidé de donner le doublage des personnages principaux à de parfaits inconnus suite à un casting de plus de 2000 personnes. Car il y avait une volonté d'avoir des jeunes nés après 2000 et hors du show business pour garder une certaine spontanéité. Côté thématique, au Japon, il y a une croyance qui dit que certaines personnes amènent la pluie ou le soleil et il arrive même que sur des tournages, des personnes soient interdites de venir, nous confie Kawamura Genki, le producteur. Pour Makoto Shinkai, la météo est un thème universel, on s'en inquiète tous et par ce biais, il abordera aussi bien sûr le thème de l'écologie. Côté musique, c'est encore le groupe Radwimps qui signe la bande originale, mais cette fois, ils ont été impliqués dès le début du projet et les textes des chansons sont en lien direct avec le film et ont même parfois influencer le script. Bref, un beau projet qui contentera sûrement les attentes du public pour ce film, c'est du moins la volonté affichée par la production. On continue sur un film en compétition, en relation directe avec le serpent blanc vu lundi, car Whitesnake de Hampong et Jizao est basé sur la même histoire, comme vous pouvez vous en douter. Ici, c'est une production chinoise en animation 3D par le studio Light Chaser. Mais même si l'idée provient de la même source, l'histoire est bien différente. Nous suivons ici Blanca, une jeune fille amnésique sauvée par un chasseur de serpents nommé Chuan. Ils partent donc ensemble à la recherche d'indices sur son identité et tout en faisant face à des situations dangereuses, ils développent peu à peu des sentiments l'un pour l'autre. Ce film fut divertissant. Du côté technique, la 3D est de bonne facture et le médium est très bien utilisé avec des scènes et des décors assez grandioses. On n'est pas dans un niveau Pixar, mais ça se défend très très bien. Côté scénario, c'est relativement compréhensible dans l'ensemble, mais un peu cafouillis par moment. Car le film suit plusieurs histoires se déroulant au même moment et à force, on s'y perd un peu. Entre ce qui se passe autour du héros se déroulant à un endroit et ce qui se passe pour l'héroïne à un autre, c'est souvent peu clair. Avec son humour et son action, le film vise vraiment les adolescents. On se balade un peu en dessous de la ceinture par moments sans être explicite et quelques scènes d'animation donnent vraiment un effet waouh. Bref, j'ai d'énormes doutes que ça arrive jusqu'à chez nous, à part peut-être sur une plateforme de streaming. Et si c'est le cas, je vous conseille d'y jeter un œil car ça reste un film très sympa. Je vais maintenant assister à une conférence making of où Yoichi Kotabe parlera de sa collaboration avec le réalisateur Isao Takahata lors de la production de la série Marco réalisée en 1976. Ce sera pour moi une découverte car j'avoue ne pas du tout connaître la série d'origine étant donné qu'elle n'a jamais été diffusée en France. Alors que dire d'autre à part allons découvrir les dessous et anecdotes d'une production de la fin des années 70. C'est une série qui n'a jamais été diffusée en France. C'est une série qui a été diffusée une fois en Italie, qui a été diffusée en Allemagne. Donc certains participants la connaissent peut-être, effectivement, mais elle est largement méconnue. Tout le monde connaît Heidi à travers toute l'Europe. Heidi c'est une icône, c'est une série que les gens en Suisse considèrent comme une production suisse. Marco, par contraste, je ne crois pas que les Italiens la considèrent comme une série italienne, mais elle est passée aussi en Espagne, au Portugal, je crois. Mais il nous semblait vraiment important de mettre en avant cette série,
parce que par-delà ce qu'a représenté Heidi en termes de regard anthropologique, de documentation, de recherche d'une justesse dans la description d'un cadre, d'un contexte culturel, dans une époque, Marco va encore plus loin, d'une certaine manière. Marco, là où Heidi, vous connaissez l'histoire de Heidi, c'est une histoire qui est avant tout comme ça pastorale. Marco est ancré dans une dimension sociale. On décrit une époque dans sa dureté, on décrit les conditions de travail, on décrit la forme de la ville. C'est l'histoire d'un petit garçon donc, dont la mère va partir en Argentine, très loin, à la fin du 19e siècle. Vous savez que cette époque, c'est celle des grandes migrations en raison de la misère, tout simplement. Donc l'Amérique du Sud connaît des vagues de peuplement comme ça qui viennent de l'Europe du Sud, d'Italie, d'Espagne, etc. Et c'est l'histoire de ce petit garçon qui va partir à la recherche de sa mère dans un grand voyage. Aussi évoquer, enfin, choisir ce terme pour parler des conditions mêmes dans lesquelles a été réalisée cette série, de la très haute ambition qui a été celle de l'équipe et je crois de l'état d'épuisement sans doute assez avancé hein, qui a été celui de l'équipe à l'issue de cette production. これはきちんとドラマを作ろうとしてたっていうのを改めて感じるんですよ。ですから、ご覧になった通り、1話でも2話でもね、特に2話なんかはね、描き方がですね、その動きを通して、その人間をずっと見つめ続けるとかね、猿の、 雨で鞘そろそろと、きちんと追いかけようとしてる。ですから、書く方もね、やっぱり大変なんですよ。きちんと描こうとすることは。ですから、大変、仕事は、辛いものでした。でも特に、これはまだ、楽しい場面がありますけど、どんどんどんどん今度はですね、アルゼンチンに渡って、お母さんがいなくて探しに探して、どんどん旅がするんですよ。そうするとね、書いてる方も辛くなってね、 もう気持ちが辛く、書くのも辛いってんで大変でした。だから宮崎駿も同じだったんじゃないでしょうかね。 On termine cette journée avec une séance événement du film Human Lost de Fuminori Kizaki, réalisateur entre autres des séries Afro Samurai et Basilisk. Le long métrage, produit en 3D par le studio Polygon Pictures, à qui l'on doit aussi les séries Ajin et les films Godzilla, adapte le roman No Longer Human de Osamu Dazai. Le film prend place à Tokyo en 2036, dans un monde où les humains peuvent désormais vivre plus de 120 ans, libérés de la maladie grâce à des nanomachines. Mais cette promesse idyllique est réservée à une poignée de nantis et pour le reste du monde, les disparités sociales augmentent, on assiste également à une décadence éthique et morale, ainsi qu'une pollution incontrôlable, donc même avec cette avancée extraordinaire, l'humanité approche tout de même de son dernier souffle. Grosse ambiance, hein. J'y vais et je vous en reparle tout de suite. On a encore eu droit à du grand Polygon Pictures, c'est-à-dire de la 3D que je ne supporte pas, mais de très beaux décors et un univers au rendu sympa dans une mouvance cyberpunk. Par contre, il manque à ce film une trame scénaristique claire et des enjeux compréhensibles. Car ça se perd continuellement dans du blablatage peu inspiré pour donner un semblant d'évolution, mais au bout du compte, on ne sait plus trop quel est le message. Bref, Polygon Pictures nous livre un film avec une volonté de faire du grand spectacle qui se révèle souvent ennuyeux, le tout dans un univers pourtant extrêmement beau et travaillé. Les producteurs ont présenté le film comme extrêmement ambitieux avec une sortie mondiale simultanée prévue. Et malheureusement, je ne pense pas que celle-ci se fera au cinéma, mais ira sur Netflix comme beaucoup de leurs productions. Et c'est parti pour cette dernière journée de festival avec un programme assez léger.
Ma première séance est l'occasion d'assister à un hommage au cinéma de Koji Yamamura, ce créateur reconnu dans les plus grands festivals d'Annecy aux Oscars depuis 2003, alors que son court-métrage Le Mon Chef venait secouer le monde de l'animation contemporaine. Cette sélection est l'occasion de revenir sur les 15 dernières années de création de cet inlassable génie de l'animation. Et cette année, il est également membre du jury court-métrage. Accorder une attention particulière à la musique, mais dans les derniers films, on a pu voir que c'est soit dans une logique d'hommage, soit effectivement de citation, vous avez utilisé des musiques préexistantes. Alors, quel est le rapport, quelle est votre préférence ou le rapport, l'équilibre entre utiliser des musiques déjà existantes et le fait d'en faire composer de nouvelles pour vos films ?今見ていただいた年代順でいうとカフカまではかなりオリジナルの音楽を作るということをしていますので、その後子供の形状学という作品で、これはまあ本当にテストの意味で最初その作ってたアニマティクスの段階で、つけていたあれプロコフィエフのピアノ曲なんですけど、それがあまりにも全然その予定してなかったのにいろんなタイミングとか雰囲気とかすごく合ってて、まあ、ある種まあ偶然なんですけど、そういう偶然性が面白くて、だから既存の音楽をあえてシンクロナするというよりはそういう偶然合うみたいな面白さで既存の音楽を使うことが好きです。Ma deuxième séance est l'occasion de découvrir de belles petites pépites de l'animation japonaise avec une sélection Anime Tamago 2018-2019. Comme je vous l'avais expliqué l'année dernière, l'Anime Tamago est un programme qui a pour but de former les futurs talents de l'animation en leur permettant de travailler sur des courts-métrages. J'y avais d'ailleurs découvert le très drôle Zonda Horizon qui m'avait fait un sacré effet. Les films présentés sont au nombre de 3. Avec, en premier, Hello We Go, réalisé par Ryoji Masamuya au sein de WIT Studio. L'histoire prend place dans un futur proche où il existe des robots appelés Mechatro We Go qui peuvent être conduits et utilisés par des enfants. Nous suivrons donc Satoru, un jeune garçon vivant dans une petite ville au bord de la mer qui reçoit un robot en cadeau de sa grand-mère et sera amené à faire une course avec ses camarades de classe. En second, Chuck Shimezo, réalisé par Eiichiro Nishiyama au sein du studio Nippon Animation. Alors celui-là, il va être un peu chelou à expliquer. On suit une famille de monstres fermeture éclair qui a pour unique but dans la vie que de fermer des fermetures éclair ouvertes. Le fils, Chuck Shimezo, est encore en formation et n'a rien zippé de sa vie. Un jour, il rencontre Hiroki, un garçon ayant oublié de fermer son porte-monnaie. Malheureusement, une pièce de 500 yens en tombe, ce qui amène le garçon, sa petite sœur et le monstre dans une aventure loin de leur maison. Je pense que là, on n'est vraiment pas loin d'un truc à la Zonda Horizon, bien bizarre et barré. Et enfin en troisième, Hengimon, réalisé par Kodai Sato au sein du studio Nanahoshi. Ici, ce sont 5 petites statues porte-bonheur qui veillent dans le plus grand secret sur les 2 enfants de la famille Amanogawa, Himi et Yamato. Jusqu'à ce qu'un jour, il arrive malheur à Himi et sous les yeux ébahis de Yamato, les petites créatures vont devoir se dévoiler au grand jour afin de venir en aide à sa sœur. Et il risque d'être bien mignon celui-là, alors je vais à la séance et je vous en reparle après. Shimezo! J'ai moins été emballé par la sélection de cette année par rapport à l'année dernière qui était un peu plus fifole. Ici, la cible des productions était clairement l'animation pour enfants. Et je suis ressorti de la séance en me disant « Ouais, bah ouais, c'est pas mon truc, mais c'est mignon ». Le seul qui sortait un peu du lot en termes d'humour était Chuck Shimezo. Comme je le pensais, c'est un concept assez absurde pour donner quelque chose de drôle. Mais même ici, le scénario est très très enfantin. Cette journée était pour le coup bien soft, car il est déjà temps d'assister à la cérémonie de clôture du festival et découvrir les grands gagnants de cette édition. Alors, c'est parti! Best VR piece goes to an experience with an incredibly
imaginative style. The winner is Gloomy Eyes. Thank you very much for this, and thank you for having a VR category. We're extremely happy. Thank you. We are thrilled to unanimously announce the first Countersound winner to a young and very promising filmmaker from Latvia, Gin Zabavas. Thank you for giving this award to such a small film. It's a really small personal film, so I really appreciate it. Yeah, you giving this award, so thank you very much. And for its excellent blend of art and techniques, the Crystal for a short film goes to Memorable. Bruno Perez. Je ne veux pas forcer la main. Je commence à y prendre goût, mais là je vais aux doter, hein, c'est sûr. Merci, ça me donne l'occasion de remercier le compositeur Nicolas Martin, qui a quand même fait un super boulot sur ce film. Et aussi ma région, la région Bretagne, qui nous aide déjà depuis longtemps à faire des films d'animation. On était d'ailleurs une délégation bretonne assez importante cette année. Merci. Et nous en sommes maintenant au cristal du long métrage. Parce que le réalisateur a su nous faire entrer et prendre conscience d'un espace en nous que seule l'animation permet. Parce que nous avons tous les trois ressenti la même émotion. Le jury décerne le cristal du long métrage à J'ai perdu mon corps de Jérémy Cassin. Aucun territoire interdit à l'animation, que tous les sujets sont envisageables pour ceux qui veulent proposer une narration originale et forte, et qu'il faut cesser de vivre dans notre coin et nous excuser quand on fait de l'animation. On peut raconter toutes les histoires. Je voudrais aussi remercier beaucoup, infiniment, toute ma gratitude aux extraordinaires équipes du studio Xylarm, qui nous ont soutenus, accompagnés, portés avec beaucoup d'enthousiasme, et je les trouve tous géniaux. Merci beaucoup. Alors nous voilà déjà au terme de cette soirée. Mesdames, Messieurs, je vous donne rendez-vous ici même du 15 au 20 juin 2020, alors que nous allons célébrer le 60e anniversaire du festival. À vous tous, à l'année prochaine.